Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Robocraft, chers amis. Donc, nous avons 2 millions, pardon. On va aller voir ce qu'on peut s'acheter avec 2 millions pour ce robot. Donc, je vous rappelle que c'est notre méga. Et normalement, on peut pas s'acheter grand chose, soyons honnêtes, hein, on peut pas s'acheter énormément de choses. Puisqu'il faudrait plutôt, voilà, vous voyez, nous focaliser sur du TX, donc du méga. Et le méga coûte environ 11 millions, quel que soit l'armement. Je cherche l'autre. Voilà, à peu près 9 millions ici. 11 millions, donc environ 10 millions. 11 millions ici. Et 10 millions ici. Vous voyez, donc ça coûte extrêmement cher. Mais nous pouvons peut-être nous acheter. Alors, je vérifie quand même. Non, c'est 2 400 000 le truc. On n'a même pas de quoi s'acheter un méga shield. Méga shield qui iront respectivement de chaque côté du robot, sachant qu'en plus ça et ça actuellement c'est temporaire, hein. Je vous rappelle qu'on va avoir besoin de beaucoup plus de place pour mettre nos équipements, et donc si on veut à peu près atteindre 8 armes, il nous faudra à peu près 80 millions, donc 100 millions pour pouvoir espérer avoir de l'équipement. C'est la catastrophe quand on le dit comme ça, effectivement. Effectivement, c'est assez bizarre. Garage, c'est bon, on y est. Eh bien écoutez, on va partir avec America for Freedom. Parfait. Et on va partir en game. On va partir en team deathmatch. Et moi je vous retrouve une fois que nous sommes devant la game. Enfin dans la game plutôt. Ah bah, écoutez. J'ai rien dit. Whiskas Terrine, salut à toi. Je sais que tu es français vu ce que tu as écrit intercepteur MK1. Dragon Slayer in shop. Ouais. Et il faudrait aussi que je passe un petit robot pour vous. Que vous puissiez vous amuser. Oh, il est génial. Il est absolument génial ce robot. Excellent, j'adore. J'adore. Ok, c'est parfait. Whiskas. Bon bah je trouve pas Whiskas. Pas Whiskas. Ok. Très belle manœuvre d'esquive. Ok, on y retourne. Oula, il y a un sniper qui m'en veut. J'ai quand même l'impression que ce sniper en chie un petit peu. Ok, on se laisse descendre. On se laisse descendre, littéralement, en douceur. Ok, c'est parfait. Ok. Pour peu qu'on l'utilise, il donne vraiment un avantage stratégique. C'est comment, ces modules là, les fameux modules bouclier et blink, j'imagine. Hein. Ok, ah, j'ai été touché sur une. Ce qui fait que je ne vole plus droit. Ce qui est assez catastrophique. Voilà, merci. Ok. Hop, voilà. Ok. Hop.
Ah mince, j'ai raté un tir. Et là, j'ai gaspillé deux tirs. Ok. Ah mince, je suis encore penché sur le côté. Hop. Oh mais non ! Abruti au copter ! Putain, ils sont... increvables. On a déjà perdu deux cependant. On doit continuer. Ok. Hop, on continue les manœuvres d'esquive. On va être en mesure d'esquiver un maximum de tirs. C'est bon. Ah mince, j'ai raté mes tirs. Putain, je pensais que ça allait durer moins longtemps le bouclier. Honnêtement, je m'en fiche d'avoir un kill hein, tant que j'ai la victoire et que j'ai fait les dégâts. Ok. Hop. Raté. Ok, on sent qu'on peut s'approcher un petit peu plus apparemment. Ah zut, la chose à ne pas faire. Allez, alors là c'est la connerie à ne pas faire. Ah la vache. On se laisse tomber, faut se laisser tomber. Ah putain, ils vont peut-être nous buter. Non c'est bon. C'est bon. C'est bon, on y retourne. Ok. Ok. Team Victory, parfait. Parfait, parfait. Je suis content, j'ai fait quelques dégâts. Moi, c'est tout ce qui compte. Hein. Honnêtement, c'est tout ce qui compte. Hop, donc une victoire. Bon. Ça aurait été assez rapide, hein. Donc comme j'ai dit, ce sera si la première est une victoire, on aura le droit à 2 victoires maximum ou à 5 défaites ou à 4 défaites, ou 4 défaites on va dire, comme ça ça va être sur un nombre fixe. Bon là ça nous fait quand même beaucoup moins que le précédent épisode. Qui plus est, on est reparti. Alors, nous revoilà partis. Gundam EFSF Zeon MHP2G Kai. Je voudrais pas avoir à l'avoir dans mes amis celui-là en fait. Parce que le temps que je l'ajoute déjà. Est-ce qu'il ressemble à un Gundam son machin au moins? Parce que moi je suis fan. Hein. Gundam. The battle for Spitzer Dam has begun. Je vois pas des masses, hein.
Tiens, c'est marrant. Et ça touche. Bah alors. Vous êtes mauvais, hein. Oui, s'il se planque pas, ça va être facile pour nous. Hein. Tente une approche. Le méga tente une approche. Seriously? La meilleure des choses qu'il pouvait faire, effectivement. Et alors celle-là, j'ai pas vu venir, je l'avoue. Ok. Faut qu'on régène un maximum le plus vite possible pour pouvoir aider nos copains. Oh, j'ai raté tous mes tirs. Ah, il me saoule. Hop les. Là, je confirme, ça me saoule ce genre d'attaque. Si je peux pas voler, c'est casse-couille. Et toi. Putain. Oh, je suis hors de portée là. Ok. Donc il y a des morts chez nous, il y a des morts chez eux. Si on peut les prendre en tenaille, peut-être qu'ils vont éviter de... Ils vont perdre le... Ah non, pas toi! Putain, butez-le! T'es pas sérieux! Est-ce que quelqu'un veut bien buter ce machin? Merci! Hop, de ce côté-là, on est tranquille. On a perdu deux hommes, ils en ont perdu beaucoup plus. Ça se passe assez bien. Non, il s'agit de pas faire de conneries. Ok. Ok. Ok, ils l'ont eu, parfait. Bon, on n'aura pas fait de kill, mais encore une fois, on aura fait quelques points. Ce qui nous fait, je dirais, à peu près 120 000 de plus, c'est ça? À peu près 240 000 de plus au total? Ah la vache, à peine 160 000. Ah bah oui, on a pas le x2, je suis stupide.
Enfin bon, je suis en train de lire le chat, je vois ce que j'y pense. Je pense que les devs l'ont fait exprès pour qu'on prenne le premium. Ouais. Alors ça, je suis pas tout à fait d'accord, mais enfin bon, sur le principe, pourquoi pas. Enfin bon les amis, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, faire trouver le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas encore une fois à la pouce vériser et à vous abonner, hein, ce sont d'excellents moyens que vous avez pour me faire connaître les amis, et je vous en remercie, on n'en serait pas là sans vous. En tout cas, moi, je croise toujours les doigts pour ma tour, je vous rappelle qu'on est toujours dans les Robocraft Days. On en profite un maximum en tout cas, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour vos aventures, salut les gens, et yo!